Salut Eric, match en retard aujourd'hui. Oui. Tu reçois Sainte-Maxime. Bah ouais, je reçois. Entre guillemets, Monsieur Athos Bandini. Oui, ça me dérange pas. Il y a un peu de pression ou pas, non, sur ce match-là? Non. Je pense que la pression elle est sur eux. Quand je dis pression, pourquoi? Parce que ça peut te libérer ce match si tu le gagnes pour le match. Oui. Ah, c'est sûr. Je pense que mathématiquement, si on gagne aujourd'hui, ouais, on est à cette journée de la fin, on est sauvé. Donc c'est important de le gagner. Des renforts? Oui, j'ai pas mal de 6, renforts. 6, 7, non? 6. C'est un gardien et 5 joueurs, donc... Face à Athos, ouais. Sachant qu'il était au club... Moi, je dépends de... Ouais, toi, tu suis... Voilà, je suis souvent des renforts. Hein. Ouais. Le maximum, ça a été 6 renforts comme aujourd'hui. Mais bon, après, contre Sifour, j'avais des renforts aussi, j'ai tout le temps des renforts. J'attends de récupérer le 16e de CFA tous les week-ends, ça ne change rien. C'est toujours la même façon de faire. Un match à gagner, quoi, voilà, avec les moyens, tu as les moyens. Super équipe, ouais. Et voilà, ce serait un beau match, je pense. Voilà. Tu t'attendais en début de saison d'avoir un bon classement quand même, sachant que tu fais travailler des jeunes. On espère, ouais. On espère d'avoir un bon classement. Donc là, un coach satisfait, je voulais dire, oui, par oui. rapport. Satisfait, on fait un petit peu de chemin, ouais. Avec nous et nous bas. Tu as eu une belle série là, de oui, victoires. Une belle série qui s'est finie. Ouais. Injustement au niveau... Non, pas injustement, ils ont des occasions. Bon, ouais. Nous, c'est vrai qu'on a la balle du 2-0, si on la met juste avant la mi-temps, peut-être que le match il tourne en notre faveur. Mmh. Maintenant, écoute, c'est comme ça, c'est le foot. Hein. Un petit mot par rapport à la Garde, qu'ils ont gagné leur match en retard. Ben ouais, mais ça resserre tout en haut du tableau. Ouais. Donc, un championnat dingue, ouais, quoi. C'est... Un championnat de fou, et donc... nous, on joue pas le haut de tableau, donc c'est vrai que si on gagne aujourd'hui, on est sauvé et on revient à 4 points du premier. Après, on verra. L'essentiel, c'est qu'on gagne aujourd'hui. C'est maximum notre équipe. Voilà. Si on gagne, on se sauve, donc c'est l'essentiel. Sachant que tu es, on va dire, un entraîneur, un gagneur au fond de l'âme, hein. J'aime bien les beaux matchs et les belles victoires méritées. Là, on peut dire qu'on peut espérer quand même de voir l'étoile. Oui, de toute façon, on ne connaît pas la vérité, je le dirai à la fin. Mais bon, c'est vrai, on a une bonne équipe, en face, ça joue au ballon. Donc, au fond de toi, tu le recherches ça, là maintenant, oui, en tant qu'entraîneur, oui, bien sûr. Hein. Oui. Ce qui est normal d'ailleurs. On veut toujours gagner et on veut toujours essayer de jouer un beau football. Donc ouais. Je pense que nous, un beau football, on le joue. Donc après, des fois c'est l'efficacité qui nous manque. Tu as des absents aujourd'hui? Non. J'ai des blessés, j'ai Benawi qui s'est fait opérer du genou, j'ai Maxime Chedorge qui a le genou pendant un mois encore en repos, il y en a d'autres, Arnaud Delsol qui revient. De blessure, donc voilà. Il y a Kevin Delpino là. Il joue. Ah, c'est bien, il doit être heureux là. Ah ouais, il est heureux. Hein. Donc en plus, il mérite. Hein. Une préparation différente cette semaine, non? Oh, non. Comme les autres? Non, comme les autres. Bon, après, il y a une certaine tension. Ouais. Entre nous, ça arrive dans la saison. Ouais. Mais, je sais pas. Bon, après, peut-être les joueurs pensaient à ce match-là, mais je pense pas. C'est comme ça. Non, c'est une préparation normale. Comme je dis, à chaque fois que le meilleur gagne. Ouais, tout à fait. Bon match, Eric. Voilà, merci. Ciao. All the good women sing along.
Pick it up, pick it up, pick it up. Let's go. Let's go.